Salut les gens, c'est Francis. Désolé. L'émotion parce qu'on va être en guerre contre l'Ottoman là. Bienvenue sur notre partie intitulée Mongol V2. Bon, on va être en guerre contre les Ottomans. Nous sommes en guerre, pardon, contre les Ottomans. J'ai même mis mes lunettes pour l'occasion parce que là, je pense pas que ça va être un match serré. Mais ça va être sportif. On va pas s'ennuyer, je pense, très sincèrement. Alors, vitesse 2. Déjà, pour commencer, ce que je vais faire, alors je sais vous allez me dire que c'est débile, mais en fait je trouve pas du tout. Je vais déjà retarder le recrutement tout de suite, ou même peut-être calomnier, 1, 2, 3, les marchands de notre ennemi. Pourquoi ? S'il a des emprunts, ça peut déjà le mettre dans une position un peu plus inconfortable. Il a 2 emprunts, c'est pas dingue. Je préférerais retarder son recrutement. C'est pas grave. On va retarder son recrutement. Voilà, moins 20%. Je pense que ça peut lui faire du mal. Nous, notre capacité d'espionnage va augmenter drastiquement contre eux. Donc ça va aller. La corruption, on va bien lutter contre elle pour être tranquille. Est-ce qu'on n'a pas un petit truc en plus là, genre... La stabilité, c'est quoi? Loyauté des tribus? Non, il n'y a rien de bien vénère, hélas. Mis à part peut-être renforcer le gouvernement. Peut-être mettre la culture tibétaine en avant. Allez, go. Ça donnera plus de choses, je n'en doute pas. Bon, on va la jouer quand même finement et alerte. On a demandé également à la Pologne de se joindre à nous. Voilà, voilà, la Pologne est avec nous. Parfait. Je vais quand même piller 2 ou 3 petites choses, hein, je suis à côté autant que j'y sois. Tiens, tant qu'à faire, autant prendre ces territoires-là tout de suite. Faut bien rester alerte là, ils peuvent venir de n'importe où. Ouais, super. Non mais qu'est-ce que t'as pas compris dans Va au Nord? C'est Nord ou Va? T'as pas compris. Ayutthaya, vas-y, passe. Pour l'instant, je vais pas faire ma fine bouche. Voilà. Bon, le temps qu'ils arrivent, hein, ça va prendre un certain temps. On va pas se mentir. Hein. Tu vas me recruter un général. Sauf si t'en as un de dispo. T'en as un de dispo. Voilà, là on va piller. Hein. Notre but c'est de vraiment piller, de détruire l'Ottoman au maximum. Et de prendre... Ouf. Non, c'est bon. C'est pas un sujet. Tiens, toi tu vas venir là-bas. Gêne, tu veux passer. Mais passer, que tout le monde passe. Alors, on assure la problème, il va falloir vraiment loucher plusieurs fois. Hein. J'ai bien envie de prendre ça quand même. Je vais m'y mettre. Ici, c'est un édit. Ouais. Je vais me faire un défense d'effort ici. Ici, si on pouvait construire, c'est quoi? C'est défense locale. Elle est où? Voilà, défense locale plus 15. Parce que ici, on n'en a pas beaucoup de défense locale. Hein. Ouais, 34, c'est pas tip top. En plus, un fort de niveau 2, donc autant dire qu'on a rien du tout, quoi. On pourrait néanmoins essayer de faire une petite attaque intelligente. Voilà. Ouais, ça c'est très bien. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Je crois que ça foutre. Tu fusionnes. Combativité de la cavalerie, parfait. On va aller là tout de suite. Là, je dis. Parfait. Il a mordu à l'hameçon. Il a mordu à l'hameçon. Là, on va voir déjà première bataille contre eux. Non, tire nulle part. Bon, là, normalement, ça devrait être... c'est des steppes. Hein. Bon, comment te dire que là, on arrive, on dégomme. Alors, ça donne quoi? Ah, sans deck. Voilà, on a... Bah là, c'est du... C'est un massacre, là, normalement. Voilà, 12 000 hommes en moins, c'est moi qui paye. Tu vas aller là. Voilà, là il va y avoir du peuple, c'est très bien. Ici, on a 23 000 hommes là-dedans. Ah non, si. On pourrait les sortir direct, je pense, mais bon. Pas grave, allez, on va y aller. Il va falloir que je louche plus d'une fois. Hein. Tu vois, ce stack-là va ici, ce stack-là va là, parce que c'est là où on va mener le gros de notre attaque. Normalement... Il me sort le meilleur général qu'on ait, genre
L'autre, il n'est pas disponible, hélas. Ouais, il n'est pas disponible, ça m'embête un peu. On peut en faire combien d'autres de généraux? On est à fond. Par contre, on va en virer certains. Genre, toi, tu dégages. On va en refaire un nouveau. Ouais, nul. On a un autre. D'accord. Tu peux même en sortir un. 4 de siège, ouais. Voilà. Celui-ci, je le garde, peut-être. Tu vas me sortir du... Il a quoi, lui? Feu 5, 3 chocs. Donc, il faudrait qu'on minimalise le feu et 3 chocs. Si on pouvait avoir ça, ça peut être pas mal. Ok. Et toi, tu vas là aussi. Ici, ce sont des montagnes, donc on devrait avoir un ascendant certain. Voilà. Quand ça donne positionnement, on les flanque. Parfait. Ils ont peut-être plus de canons, mais nous... Ils font 0, on fait 0. C'est pas mieux non plus. Hein. Ah ouais, quand même. Attends, j'ai les renforts qui viennent, là. Ah, waouh. Ouais, on leur a fait très mal. Ok, parfait. Tu me sors. Tu restes là, toi. Alors, toi, tu restes là. Toi. Voilà, tu me sors le 4 de siège. Et tu vas aller... 6, ici, parfait. Et toi, tu vas aller en renfort. 34 000 hommes ici, ça va être pour nous. Et ici, toi, tu vas aller là. Là, ce qui se passe, 28%, c'est très bien. On a le temps. Voilà, là, si on peut sortir 35%. Voilà, on a emporté un siège. Bon, j'aime bien qu'on soit rapide comme ça. J'aime bien. Parfait, ben, on va aller là. Essaye de faire jonction dans le Caucase. Je te souhaite bien du courage. C'est des plaines ici. Montagne. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on est plus que lui. Non, on n'est pas plus que lui, mais nous, on a un général. Et on va en prendre un très bon, si possible. Tiens, toi. Normalement, ça devrait... Alors. On a quand même une pénalité, mais la manœuvre... Ça, c'est quoi? Les nomades, lorsqu'ils sont en subissent une pénalité. Ça, c'est un en plat. Bah oui, normal. Bon, ça suffira. Mais c'est bon à savoir, je l'avais pas lu, ça, auparavant. Wow, par contre, s'ils renforcent, là, nous, on est dans la merde. Parfait. C'est très bien. On va quand même continuer. Ça, c'est plat. C'est plat, ça. Lançons une contre-attaque, alors. Chose très importante, j'avais dit que je le ferais. Normalement, là, je peux dire... Putain, il faut qu'on soit 50% à Sari, c'est dommage. Pour demander aux marchands, justement, d'avoir notre capacité de siège augmentée. Néanmoins, on a une très bonne capacité de siège contre l'Ottoman. Je sais pas si ce qu'on voit, là, on est quand même... à quelque chose de relativement élevé. Hein. Ouais, c'est... Tiens, on va aller ici. Toi, tu es en backup là. Il y a du peuple quand même ici, mais il y a les Russes qui veillent au grain, ça me fait pas trop peur. C'est quoi notre objectif? De montrer sa supériorité. Oui, bah c'est la Pologne là qui nous... non. Oui. Évidemment, il fallait que ça pop, ça. Hein. Là, ça, tout de suite, il fallait que ça pop. Hein. Genre, ça a pas popé pendant 15 ans, mais là, tout de suite, là, maintenant, il fallait que ça pop. Hein. Je te jure. Elle est où, la compagnie franche? Je crois que c'est celle-ci. Coûte combien par mois? Vas-y, prends-moi ça et prends ça. Voilà. Juste pour qu'on s'en occupe. Bon, faire attention ici, il y a du peuple. Beaucoup de peuple. C'est pour ça si je pouvais prendre cette... On va s'assurer la chose, voilà. Alors, là, 40 000 hommes, 30 000 hommes. C'est un peu ballsy. Ah, il y a les Russes qui sont là. Est-ce que les Russes vont nous suivre? Franchement, on tente. Je la tente. Peu importe ce que ça va donner. Même là, ça défonce, hein. Oh, wow. Renforce pas. Ah, renforce pas, dommage. Et les Russes? Bon non, je suis bien là. Ouais, bon. C'est pas grave, hein. Regardez ce qu'on leur a fait perdre. Lui, le manpower, il a du mal, hein.
calomnier tes marchands. Parce que je sens que t'es dans le mal. On va continuer à avancer. Il me sort en général avec qui? Ah, je peux convertir. Très bien. C'est pas grave, hein. Franchement, nous, notre armée, elle va se reconstruire très très rapidement. Voilà. On va par là, toi. Mais Pégou, c'est pas grave. Voilà, toi, après, je te tège. Ah, c'est les Russes! Oh, c'est dégueu. Bon, ok, d'accord. Si c'est les Russes, c'est pas grave. On va rester là. On va rester là. Ok, ça me va, ça me va. Ça me convient bien. Voilà, on a converti ça. Ok, convertissons le reste. Si tu veux, passe. Passons du commerce, du commerce. Voilà, parfait. Avançons à Bagdad. Si on peut avancer ici, c'est bien aussi. Ouais, ils sont en train de nous tomber dessus avec tout ce qu'ils ont là, par contre. Si on pouvait prendre les forts prestement. Bon, là, il y a les Russes. Là, le Russe, il a décidé d'être à IFK. Bah voilà. Quoi, être débile, généralement, c'est... C'est important. On va continuer de machin. Parfait. On va rester là quand même. J'aimerais bien prendre ce... Ouais, ici c'est quand même pas mal. Parfait, on va essayer de prendre celui-ci. Là, pour essayer d'être tranquille, on va faire ça. Voilà, ils font le tour de la mer Caspienne. Qu'ils le fassent. Franchement, qu'ils le fassent. Là, je veux juste prendre l'effort le plus prestement possible. Attendez, là il y a un truc à faire. Là il y a clairement un truc à faire. Même si c'est l'autre qui garde le fort, c'est pas grave, ça nous fait... Voilà. Ça nous fait du bien. Parfait. Vas-y, prends le fort là-bas, je m'en tamponne. Si on peut les verrouiller dans le Caucase. C'est pas trop mal. On va aller là. On va avancer un peu, hein. Je vais essayer d'aller là pour essayer de reprendre ce fort-là. Ici, on pille, ça me va. Alors, non. Tant pis, ils font la gueule. Voilà, je vais prendre ce fort. Voilà. Continuons de piller. Avançons jusqu'à peut-être là. Oh, là tu hésites, hein. Je sens que tu hésites. Tu hésites tellement que je vais faire ça. Voilà. Et là normalement je peux faire un certain truc intéressant. Voilà. Oh oui, si je peux te dégommer ces 40k, je vais pas me priver, crois-moi. Ah, puisque le Russe ne me donne pas l'accès, c'est ça? Bon. Écoutez, si on prend ça, c'est déjà ça. 4000 hommes au moins. Voilà. Retournons dans le sud, alors. Ah, petit... Ouais, vas-y, si tu veux. Si tu veux, je m'en tape. Là, on va faire feu. T'es le 4 de siège, toi. Bah, toi, tu vas rester là, en fait. Tu vas te split et tu vas aller là. Voilà, tu vas continuer à appuyer. On peut prendre une tech. Aïe, 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 aïe. Ils ont dû passer tech 21, les autres. Ouais, ils sont tech 21. Merde. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Okay, on va faire ça, déjà, pour montrer qu'on est les patrons. On a une forteresse de... Oh! Ouais, d'accord. Si tu veux. Si tu veux. Si on peut prendre Trébizonde, c'est bien aussi. L'Ottoman est dans le mal. Hein. T'as combien d'emprunts, mon chéri?
T'as que 4 emprunts. Ok. Réserve militaire. Il va falloir commencer à sortir l'artillerie. Hein. L'artillerie, les mercenaires, là, monsieur. Hein. Il maîtrise ses prises. Ses prix, pardon. Parfait. Prends ça. Moi, je vais aller là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Cabinet de curiosité. On peut se le permettre. Ah, le Maroc qui vient nous dire un petit coucou. Est-ce que j'ai une armée? Ouais, j'ai une armée. Est-ce que j'ai un mec qui va vite? Ouais, j'ai un mec qui va vite. Ah, tu vas là-bas. Prestement, non, c'est possible. Je t'ai pas mis 4 de manœuvre pour... 5 de manœuvre pour que t'ailles lentement, s'il te plaît. Ça devrait aller normalement. Ouais, ça passe. Ouais. Il va reprendre le siège, tu vas voir. 35%. Ah, c'est bon. Bah alors, Maroc? Bah. Je t'ai pas eu stack wipe. Je suis un peu déçu. On va aller là. On va aller là. Ici. On va aller aider pour le siège. Ah, 35 000 ici. Ils veulent sûrement reprendre le sud. 28 000. Ok. Ça peut être des bateaux. Oh, c'est quoi ça? Ah, et rue de la soie. Deux de mer tranquilliste. Il va être. Bah vas-y, go. 28. Ok, parfait. Ah si, je pourrais pas l'avoir. Non, dommage. Faut leur montrer qu'on hésite en fait. Bon, 28%. Ici, ça va prendre du temps. Hein. On continue de convertir. Merci beaucoup. Alors, il y a un monde où tu te dépêches. Ouais, là c'est bon. Là c'était trop complexe. Mais bon, on leur a fait perdre quand même quasiment 50 000 hommes. Hein. Nous les hommes, on les a. Hein. Je veux dire. Ah, parfait, ça m'intéresse. Hop, hop. Allez, on prend ça. Nos bateaux, ils sont améliorés ou pas? Non. Là, ah, ça par contre, c'est un peu dommage. Parce que ça va nous faire des troupes en plus. Mais la Russie, à voir... Ah, elle a donné la paix. C'est pas... D'accord. Donc là, c'est entre lui et moi. Ok, bon. C'est entre lui et moi. Parfait. Chaque bataille qu'on va gagner... Et où on va le dégommer, c'est des troupes qu'il pourra pas avoir. Genre ça. Allez, casse-toi, toi, avec tes troupes là. Là, on va revenir. Ça, 7000 hommes, c'est 7000 hommes en moins. Et 7000 hommes en moins, ça chiffre. Voilà, là. C'est-à-dire que ça, il. Mais c'est occupé. Mais attends. Non, c'est occupé par nous. Excusez-moi, non, j'ai mis ce clic. Je suis totalement abruti. C'est pas grave. Hop. On va aller là. Alors. Non. Ah, c'est très bien ça. Attends un petit mois. Hop. Parfait. Si tu veux me sortir un très bon général. T'as quoi? Là, ici, on sera dans des... Oui, dans terrain plat, ça devrait aller. Sauf s'il renforce, mais il renforcera pas. Come back. Voilà. Ça m'intéresse par contre. Parfait. Ensuite, on va faire ça. Ça. Bon. Bon, visiblement, il hésite un peu trop. 42%, ça peut tomber Trébizond. Non, toujours pas. Hein. Bah oui. Ça, c'est quoi? Ce sont des steps. Ouais, mais il va monter avec l'autre là. Après, on peut peut-être fusionner deux armées ensemble.
Ah, on a remporté Trébizonde. Parfait. Allez, on se dédouble. Et ici, on va essayer de faire une belle contre-attaque. On fusionne. On renforce. On prend un très bon général. Ils sont pas si bons que ça, nos généraux. Hein. On en avait des bons à une époque, mais c'était à une époque. Bon, toi, t'es loqué, c'est parfait. Ça va me laisser le temps de te dégommer. Voilà. Oh, perdant en stabilité. Non, gagnons 3 en inflation, c'est pas grave. Voilà. Et là, on peut essayer de dégommer ça. Voilà, là, on sera dans des steppes en plus. Si on pouvait avoir juste le tic de morale. Parfait. Et on y va. Sans, j'espère qu'ils vont pas le reprendre à 14%. Voilà. Oh bah alors là. Mec, comment te dire? Comment te dire? Voilà. Alors si on peut après le stack wipe. Non, dommage. Commençons à piller. Continuons. Ah, 100 000 hommes ici. Parfait. Ils vont reprendre Bagdad peut-être là. Non, c'est bon. Bon là, ça devrait le faire. On est sur un terrain plat. On sera en défense. Donc déjà, rien que là, ça passe. Mais une fois que j'aurai mes copains, ça va encore mieux se passer. Ouais, on les dégomme quand même. Hein. Voilà. Ils ont perdu combien de troupes? Putain, la vache. Ils ont perdu à la chaîne. Hein. Très bien, ça a 13 000 hommes en moins, je prends. Continuons de convertir. C'était quoi? C'était défense locale. Hein. Elle est où la défense? Oh, il y a des forts. Je sais même pas où ils sont les forts. Où il est fort. Voilà. Là, j'ai dû augmenter un peu quand même. Quartier des investissements, parfait. Là, on redescend par là. Là, toi, tu vas là-bas pour dégommer le Maroc. Forcément des... Oh non, je vais pas te laisser t'en aller, t'inquiète pas. Parfait. C'est un terrain plat, ça. Oui, c'est des côtes. Donc, voilà. Ah, notre scientifique qui meurt, ça m'enduit un peu. Tiens, tu vas me faire réduction annuelle de l'inflation. Merci, chérie. Voilà, ça, on va pouvoir dégommer le Maroc avec ça. Ici, on peut continuer à percer. On peut prendre une passée de tech. Et là, on va commencer à parler. Voilà, là, on joue d'égal à égal. Non, mais là, mec. C'est mathématique, là. Voilà. Et on a toujours nos réserves militaires, nous. Hein. Et lui, il commence à être en PLS. Hein. Les emprunts, ça doit y aller, non? Ah, ça, tu roules au Merc. Et ensuite, t'as que des emprunts. Ok, t'as que des emprunts pour le moment. Bon, j'ai pas terminé avec toi, mais... N'importe un ciel, ça c'est... Oh! C'est ballsy, mais on peut le faire. Tiens, tu vas revenir en renfort, tu vas revenir là-bas, toi. Ouais, là, ça fait beaucoup de monde, quand même. Hein. On va attendre, hein, bien sûr. Attendez, là, il y a des petits trucs à faire quand même, gratos. Forcément des premières lignes. Très bête de perdre, là. Ouais, là, ça serait très très bête de perdre. Mais là, j'ai mal géré. Tu me mets en marche forcée, tu vas là-bas. On l'aura pas. Néanmoins, si je renforce juste avant, c'est pas grave. Je rattaque avec ça, maintenant. Lui, il a perdu des troupes. Hein. Moi, je m'en tape. Hein. Moi, j'ai de la chair à canon ici. Hein. Il est où mon quête de siège? Il est là. Là-bas. Voilà.
Tiens, je vais me reprendre ça, parce que ça fait moche sur une carte. Ah. Ok. En fait, tu vas aller là-bas. Ok. Vas-y, si tu veux. Ça me va. Si on peut essayer d'en dégommer un peu dans la péninsule arabique, je vais pas me priver. Toujours des troupes de merde qu'on n'aura pas à battre. Genre 14 000 hommes, là. Ah, ça va. Ah, l'Ottoman, tu veux la paix? Non, non, là, c'est que l'échauffement, mec. C'est que l'échauffement. Ah, là, il y a du monde. Ça, c'est très bien. On va retourner là-bas. Toi, la rigueur, ici, tu peux peut-être prendre ça. Ça verrouillerait une partie du... La péninsule, africaine. Péninsule marocaine, ça veut rien dire. Ok, 46 000 hommes. Donc là, si je vais là, et si je vais là, après, ça passe. Allez, dépêche-toi. Bon, on va le perdre peut-être ce fort-là, mais c'est pas bien grave. Ouais, c'est pas grave. Tiens, regarde. Yes. Ah, merde. Voilà, bah alors. Ah, non. Annulation de l'ordre du stone, on va là-bas. Intéressant ce que je vois là. Ok, on va là-bas. Tu me mets un bon général, genre un cavalerie, combativité, tout ça, tout ça. Tiens, ça, voilà. Je vais pas de cavalerie, mais bon, ça suffira. Là, normalement... Ouais. Parfait. On va là-bas, maintenant. On renforce. Parfait. Ça, c'est quoi? Pleine? Ah bah, parfait. Allez, lançons une contre-attaque. Nulle part. On va être clairement clair, tu vas nulle part. Non, 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 mais... Ouais, si tu veux. Tiens, tu vas me prendre ce fort là-bas, toi. Bon, c'est pas grave, ça suffira pour les dégommer, tout toujours. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner. On va compenser... Combativité de la cavalerie, il est toujours utilisé. D'accord. T'es sûr? J'aurais bien voulu avoir le tic de morale. Ouais, là, je suis pas magicien, par contre. Non, mais même quand on perd... Bon, là, on a quand même pas mal perdu, là. Là, on a quand même pas mal perdu. Ah, une mission. Laquelle? Protection de la foi. Pourquoi? Ah, très bien. Ça me va. Bon, on a peut-être pris... Ah merde, ça par contre, ça me saoule. Allez, go là-bas. Non, toi, go là-bas. Et toi, on va rester ici alors. Et toi, tu vas où? Ouais, tu vas back à Bagdad, c'est très bien. Maroc, t'as combien? T'as des emprunts. Ouais, tu commences à avoir des emprunts, mon loulou. Et en termes d'armée, tu roules au merc, donc c'est qu'une question de temps. Ouais, mais par contre, là, il est en train de tout converger vers moi. C'est pas grave. On va se mettre là pour avoir une belle force de frappe. Ne tombe pas. Putain, enfoiré, il est tombé. J'hallucine. Ok, va là-bas. Alors, si tu pouvais te renforcer et te dépêcher à te renforcer. Oui, l'Ottoman, tu veux la paix, mais attends, attends, attends. Sûrement prendre une... Là, théoriquement, ici, tu peux plus passer, mec. Ah, parfait. Voilà, ça c'est déjà fait. Là, on peut lancer la contre-attaque. Voilà. Seconde contre-attaque. Voilà. On va reprendre le truc. Bon, là, je t'amuse-toi si tu veux.
Homme, c'est quoi? Ce sont des... Ok, on va attendre un mois, là, quand même. Il y a 92% ici, hein, quand même. Voilà. Ah, pour une fois qu'il était à 92%, ça me fait plaisir. Ça fait zizir. Ah, toi, 1000 hommes. Au revoir. Ah, toi, tu veux une paix blanche. Mais oui, mon ami. Ça va pas tarder à arriver. Oh, tiens, là, il y a 3000 hommes. Hop. Trébizonde, on va tenter d'y aller. Parce que je sens qu'ils veulent y aller. J'ai ouï dire. Non. Là, n'y allez pas. Oh. Là, ça mérite d'être attaqué quand même. Après, t'as... Écoutez, on va rester là. On va faire ça. Toi, tu restes là. Tu restes là. Voilà. Ah. Évidemment. Bah, tiens, toi, avec ces hommes-là, tu vas là-bas. Et toi, avec cet homme-là, tu vas là-bas. Et toi... Non, toi, tu vas là. Voilà, c'est plus logique. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Parfait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On y va. C'est pas grave pour ça. Moral terrestre plus 10, oh bon alors là. Oui. Ça c'est parfait ce que je vois. Nadal, tu veux la paix? Oui. Casse-toi, pour eux uniquement. Il restera quelques-uns. Bon, cette guerre, ça va. Débarque où? Ah! Dommage. Vite allons à Trébizonde alors. Ou là même. Juste leur montrer comment ça se passe. Tes armées, je te les détruis. Et une par une, quoi. Ouais, là, c'est peut-être audacieux. On va plutôt faire ça et ça. Me saoule. Vas-y, on va faire la paix. Ah, un pixel près. Ouais, mais moi je voulais une vérité. Je voulais. Attendez, on va faire comme ça alors. M'en fous. C'est moche, c'est juste pour dire on peut faire le tour. Peut-être faire un petit Marino Strum, tu vois. Eh, il est pas beau mon Marino Strum? Ouais, je sais, il est beau. Ouais, franchement, j'ai tout donné. Mais ça passe pas parce que je l'ai dans le baba. C'est pas grave, on va faire ça alors. Juste ça? Ça passerait. Mais c'est des territoires un peu moisis, non? Ou alors... On avance réellement en Anatolie. Parce que ça, fatalement, on s'en fout du Caucase. Bah, pas tôt, voilà. Autant bouffer en Anatolie. Hein. Je pense que d'un point de vue rentabilité, ça se pose là. Ah oh putain, et ça coûte une couille. Pardon, excusez-moi pour l'expression. Ok, donc il faut pas que j'ai cette territoire-là. Oh, et on peut pas superposer des cartes, s'il te plaît? D'accord. Ça fait ça.
pourra pas faire plus, hélas. Hein. Après, prendre les forts, c'est toujours ça de prix. Hein. Un fort là. Pas un fort qui traîne dans le coin, là. Et même ça, ça passe pas. Oh, c'est chiant. Voilà. C'est pour bouffer juste deux provinces en plus. Où vraiment on le saigne. Nous, on a encore nos réserves militaires. On a juste fait un peu trop les bourrins, mais ça, vous me connaissez. Là, si vous voulez, on fait ça. On remonte par le nord. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Et on refait des contre-attaques. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ouais, on peut encore gagner. Hein. On a le 10% de morale maintenant, faut pas l'oublier. Tiens, va là-bas, toi. Ouais, c'est nickel si tu vas là. Ouais, là par contre, c'était un peu téméraire de ma part et chevaleresque même. Bon, ça passe. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, va là-bas déjà, toi. Voilà. Là, j'aimerais bien attendre au moins le tic de morale. Ah, paix blanche, parfait, Togur, casse-toi. Ouais, là on peut lancer une contre-attaque ici. Hein. Et là on peut aller là, ouais. Je pense qu'on peut vraiment les saigner à blanc. Voilà, il va prendre le fort. Non, ça va, du bol. Yes. Renforcement des premières lignes et on y va. Là tu devrais le sentir ma puissance, non? Niveau flancage, ça se passe comment? Pique. Hein. Ouais. J'ai entendu dire que ça faisait mal. Bon, toi, marche forcée, tu vas là-bas. Je peux sortir là. Ouais, je sais, c'est débile. Mais c'est juste pour faire gagner du temps. Hmm. Allez, sans qu'ils reprennent le fort. Ouf. C'était moins une. Voilà. Bon, il n'y a plus d'armée là. Normalement, le mec, t'as plus d'armée. Tiens, va là-bas. Nous, on peut commencer à continuer à percer ici. On peut aller là-bas maintenant. Toi, si tu peux aller là-bas, c'est bien aussi. Tu veux la paix? Très bien, ça m'arrange. Jolov veut la paix aussi. Non. Jolov. Pour eux uniquement. Ouais. Voilà, il reste plus que les Ottomans en lice. Et nous, on a un fort. Ouais, tout de suite les grands mots. Regarde. Mec, ça va. Hein. Pas perdu tant d'hommes que ça. Voilà, regarde. Territoire occupé plus 3. C'est quoi? Province métropole occupée. Ouais. Demande de paix usure. Ouais, ça va, c'est qu'un chiffre. Laisse-moi prendre encore un ou deux sièges. Juste histoire de dire, tu vois. Faut pas qu'ils s'en remettent, les Ottomans, là. Là, par contre, attaquer, c'est utile. Tiens, toi, tu vas me sortir une compagnie de mercenaires parce que j'en ai marre. Y a pas une compagnie indépendante, faut un truc dans le genre, un truc un peu moisi, mais qui coûte pas, pas un brin, quoi. 13, tiens, c'est pas mal. Hop. Affaiblissement de... Ouais, défection du Sunni, je m'en tape. Ouais, c'est de la triche. Ouais, c'est de la triche, ouais. Petite enfoiré, va. Il se met à l'endroit où j'allais recruter. Salopard. Voilà. Ah, j'ai une armée là. Là. Tu me sors un commandant. Lui. Le but c'est que ça fasse mal. ~14%, 0%, c'est très bien.
Non, gagnant en route corruption. Lançons une contre-attaque. Le score de guerre, il peut encore évoluer. Faut continuer à démontrer notre supériorité. Je pense que ça va être envisageable. Et là, ce qu'il y a à faire, c'est juste attendre un peu. Ici, on reprend le fort. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, progressivement, l'étau se resserre. Voilà, on a emporté le siège ici. Parfait. Donc là, on peut avancer pour dégommer ça. Et après, on pourra aller à Ankara directement. Non, tu vas nulle part. On peut construire des monuments. Alors. Ah, celui-ci, alors, unité religieuse, coup de maintien des missionnaires, déclin annuel du karma. Unité religieuse. Oh, franchement, j'ai envie de dire aux F celui-là. Franchement, je préférerais payer 2000 et avoir celui de BAM. Beaucoup plus rentable et juteux. Tiens, on va aller à Ankara. On a de la place encore pour une armée ou pas? On est un peu beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en recruter 1, 2, 3, 4. Voilà. Ils vont juste me servir à récupérer les territoires. Et puis, ils débarquent ici maintenant. Ah, ils ont pris ce fort-là, c'est pour ça aussi. Ça, c'est parfait. Maintenant, on peut aller peut-être là. Là, ça va tomber un jour ou l'autre. Ah, voilà, je vais juste le dire. Et le demander. Ça, ça dégage. On va aller de ce côté-là maintenant. Ici, ça recrute ou comment ça se passe? Ouais, ça se passe. T'es le 4 de siège, toi? Non, t'es le 0 de siège, le 2 de siège, ok. Parfait, ce que je vois. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Là, 7%, je veux que ça tombe rapidement. Ah, j'ai pas assez. Ah, j'ai pas assez d'artillerie, surtout. Bon, après... Bah, on pille de façon un peu dégueulasse. Hein. Moi, j'aime bien, perso. Alors, c'est vrai que si on pouvait reprendre ce territoire-là, de Perse, ça serait pas négligeable. Hein. Tiens, comme t'as terminé, toi, tu vas aller là. Toi, comme t'as terminé, visiblement, tu vas aller là. Là, ça va nous déverrouiller toute cette zone quand ça sera pris. Pas pour le moment, en tout cas. Tac, tac, on convertit. Vous êtes agaçant, monsieur, sachez-le. Oh, bah, on va aller au Caire. Niveau point de niveau score de guerre, je pense que ça va être pas mal, là. Tu tombes, toi, s'il te plaît. Parfait, ça va nous déverrouiller tous les autres forts, là. Et là, on va pouvoir s'amuser à prendre ça. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Parfait. Allons prendre le Caire. Ah, l'Ottoman. Non, toujours pas. Financièrement, l'Ottoman, ça se passe comment pour toi? Bah ouais, hein. On a vu mieux. Hein. Ah, favoritisme. Non, on va faire ça. Bon, là, c'est juste pour être tranquille rapidement. Pour prendre le Caire. Là, on va prendre probablement Kara. Bam, c'est bon, c'est fait. On va aller ici. Dans ces territoires. Alors là, si je peux vraiment dégommer une grande partie de l'armée ottomane. En tout cas, ce qu'il en reste. Oh, là, ça grouille, hein. Tu vas te mettre en marche forcée et tu vas foncer comme un bourrin.
Ça c'est con par contre. Le cœur est tombé, parfait. Ça je vais pas me casser la tête. Bon, là autrement on est quasiment à 100%. Alors, tic tac, ça passe. Tac, ça passe pas. Ça, il nous le fallait pas. L'effort. Il y a un fort là, il y a un fort là. Un chai. Et rocher. C'est juste pour leur verrouiller l'accès en fait. Ici on va créer un gros fort. Pour être tranquille. Un très gros fort pour être vraiment tranquille. Je reprends ça. Ouais, vas-y, je reprends ça. À part si... Ah, bah attendez. Je vais reprendre ça aussi. Tant que... Oh, c'est dégueulasse. Ça. Tiens, vas-y. Ah, mais faire le tour ici, ça m'arrange, en fait. Vas-y, si on s'en tape, on le fera plus tard. Ah, histoire de terminer un peu ce délire. Est-ce que, dans ce qu'on a pris, ça nous suffit? Il nous faut jusqu'à ici. Ouais, donc il nous manque encore deux là. Ok. Gérable. Et ici aussi il nous faut un. Oui, il nous le faut. Et que ça aille jusque là. Ok. C'est vrai, prendre ce fort, ça serait utile quand même. Hein. Là, ils pourraient se porter assistance mutuellement sans devoir faire le tour de Zagro. Après, on pourrait... Ouais, mais là aussi... Ça, à la rigueur, on s'en fout, il n'y a pas de fort. Celui-ci, il y a un fort, c'est utile. Voilà. C'est juste pour prendre ce fort-là et terminer la continuité territoriale. Et voilà, on prend pas cette province, c'est pas grave. On sera moins développé, mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre des provinces avec des forts pour la prochaine guerre. Ici, ça serait utile, mais bon, ça a bien tenu ici dans la... Attends. Une petite guerre, là, à faire. Voilà. Monter le score de guerre, c'est toujours bien. Ah, mais attends. Je peux être un peu plus gourmand, du coup, non? Ça, je m'en tape. Bon, écoute, le reste de la thune. 1000 balles. Ça va. Ok. Ça nous crée une certaine surexpansion, mais ça va. Merci beaucoup, au revoir. Ils ont perdu 1 million d'hommes. Ouais, l'Ottoman a perdu 1 million d'hommes à lui tout seul. Et dû à l'attrition? Ah, ça va, c'est plutôt au combat. Nous, dû à l'attrition, on en a perdu pas beaucoup. C'est au combat. Ah, ça fait du bien quand même. Hein. Attrition terrestre, moins 20%, ça fait vraiment du bien. Et la Pologne, on s'en tape de la Pologne. D'accord, ouais. Voilà. Restaurer le Kahana. Erbil. Et ça nous donne quoi? Okay. Non, c'est pas le Kana, c'est Ilkana. Ouais, bon, bref, ça m'en tape. C'est pas le sujet. Alors. Merci. ZC. C'est. Merci. C'est bon. Maintenant, commerce. On va. Ouh, joli ça. Ici peut-être. Oh oui. Merci. On va tout légitimer. Voilà, ça devrait baisser. Voilà, on peut tomber à 60%. Et moi, c'est celui-ci que je voudrais améliorer. De toute façon, on gagne là. On gagne. De... Ouais. Un peu augmenté. Vas-y, je suis tombé à 0 juste pour le plaisir de dire que j'aurais été au moins en bas. Voilà, comme ça, je gagne tout de suite un marchand. Et le marchand, je vais pouvoir l'utiliser à bon escient. Vas-y, je vais collecter ici, hein. Attends. Ah, j'ai pas gagné un marchand? Attends, attendons le prochain mois, peut-être. Ouh, j'ai peur.
Mon marchand, merci. Ah mince, j'ai tout perdu là. Ok, je comprends mieux maintenant. Donc là, je peux pas collecter les revenus. Là, ça tire ici. Oh, l'argent qui se perd ici. Hein. Je collecte ici, ouais. Mais pas assez, c'est qui tire comme ça? C'est la Russie. Bon, financièrement, ça devrait aller. Ok, on a perdu nos réserves militaires, mais vous inquiétez pas là-dessus. Hein. C'est pas vraiment un sujet. On va en profiter pour faire déjà ça. Hop, hop, hop. Que ça gueule pour une bonne raison, vous connaissez la chanson. Voilà, l'absolutisme, c'est la vie. Bon, après ma foi, là, l'épisode a un peu duré longtemps, mais c'était une guerre contre l'Ottoman. Hein. Ça devait se passer ainsi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pourquoi t'es à 100%? Parce que on peut pas faire un truc spécial avec eux pour qu'ils nous foutent la paix. Ouais, c'est tentant, mais bon. Inviter le Dalai Lama, il faut avoir une stabilité d'au moins d'un. Ok, c'est ça, moi, qu'il faut. Loyauté des tribus de moins 50. Tu vas augmenter à 50 naturellement. Ça me fait pas spécialement peur. Nos troupes. Ici. Je pense que la prochaine guerre, ça va être contre Monsieur le Russe. Et je pense que notre limite terrestre a dû augmenter un peu. Ça va. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Bah, toi aussi, tu dégages. Hein. T'as rien à faire ici. Voilà, on peut compléter ou faire un nouveau stack potentiellement. Ok, parfait. Mais on verra la suite au prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à plus les gens.